jour je me retrouvais seul. Mais je devais rejoindre la station noire d'une manière ou d'une autre. Pullman m'y attendait pour me conduire à police. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part. Ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Métro 2033 Redux. Et vous le savez, à chaque fois qu'on arrive à rencontrer quelqu'un qui nous sauve de notre situation dans les métros, eh bien on le perd. Voilà, à chaque fois tout le monde meurt. En l'occurrence Pavel, qui nous avait aidé, qui nous avait sauvé même, qui s'est donc retrouvé mort, il s'est fait bouffer par des mutants. Et donc on se retrouve seul, direction police, donc pour continuer notre mission. Et donc voilà les amis, nous sommes seul, définitivement seul, dans le métro. Alors voyons voir, il me semble que là il y avait une clé. Alors je sais pas s'il me l'a récupéré ou pas. Ah, là il n'y a rien dedans. Non c'est bon, on a tout ce qu'il faut. J'ai l'arme. Non j'ai pas l'arme. Attendez, parce que je sais que on s'en était arrêté là. Et il y avait, alors attendez, je vais reprendre mon fusil à pompe, hein, très bien. Voilà, on peut monter ici. Et on a une arme juste là. Voilà, une arme qui a l'air vraiment incroyable pour l'infiltration. Donc, à la place de l'AK, je vais prendre cette sorte d'arbalète en fait. Hein. C'est un peu une arbalète du futur si vous voulez. C'est pas trop mal pour les phases d'infiltration. On va garder le fusil à pompe et l'autre arme avec le sniper. J'imagine que là maintenant on peut ouvrir. En tout cas, voilà. Merci à tous encore de suivre cette série, ça me fait très plaisir. Comme dit, on passe du bon temps. On n'est pas énorme, vous n'êtes pas énorme à regarder le let's play actuellement. Mais voilà, moi je suis content de le faire parce que quand je l'aurais terminé, j'aurais dit, voilà. Je pourrais dire, voilà, je l'ai fait. Et ça fait super plaisir. Donc merci à vous pour vos likes, vos pouces bleus. Franchement, si vous n'avez pas encore liké les épisodes, n'hésitez surtout pas à le faire. Si vous continuez de suivre la série. Alors, là, on peut pas aller. Mon masque. Mon masque. À chaque fois, les gars, à chaque fois c'est un sketch. Préférence. Forcément, à chaque fois je sais plus c'est quoi les touches, c'est chiant. Inventaire. Alors, changer de feed c'est T et le masque à gaz c'est G. Ok. Donc, je mets le masque et on est pas mal. Alors, faut pas tomber dans ces trous là, c'est des pièges. Enfin, je me rappelle que je suis mort en tout cas en ayant descendu là, donc je vais pas le faire. Pour le moment, personne ne m'attaque. Et ça, c'est plutôt agréable. Donc on va... Ah ! Arrête ! Et en plus, ils repartent. Allez, un petit soin. J'en ai encore 4. Allez, reviens, trou du cul. Oh, ils m'ont fait peur. Ah ouais, c'est des petits salauds, hein. Oh, putain. J'ai totalement foiré mon coup. Je ne sais plus viser. Merde. J'ai plus beaucoup de munitions hein. Non mais stop, à un moment donné je sais plus jouer. Bah j'ai plus de munitions. Il n'y en a plus des munitions. Alors on va repasser donc sur cette arme là qui est drôlement efficace. Est-ce que je peux... Ok, ils vont dans les trous. Alors attends, parce que c'est pas fini, j'en ai vu un autre. Là. J'ai récupéré des munitions. Là, des munitions aussi. Oh là là. Allez, on s'arrache. Je cours, je m'accroche à la vie, on va pas dans le trou. Alors. C'est ça, ouais. Faites les malines. On va attendre qu'ils viennent là. Alors, il faut pas aller dans les trous. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Ok. Bon, on a compris qu'ils viennent des trous. Là. Yop. Allez, plus qu'une cartouche. Ah, j'entends des bébés. On va aller par là.
Oui. Tout va bien? Mon oncle, allez, relève-toi. On va se faire manger. S'il te plaît, réveille-toi. Pourquoi tu dors? On va voir maman. Tu m'as dit que tu m'emmènerais voir maman. Tu m'as promis. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Ma maman m'a dit de pas parler aux étrangers. S'il te plaît, mon oncle, t'es blessé? Dis-moi quelque chose. Quel enfer. Ça ira pas. Je crois qu'il est mort. Il est mort, c'est ça? Comment je vais rentrer chez moi? Tu m'emmènerais avec toi? Je te connais pas. Mais si je te suis pas, je pense que je me ferai manger par les monstres. Tu parles beaucoup trop! T'as une arme? Très bien. Je vais peut-être venir avec toi alors. Tu peux tuer les monstres, hein? Ah, je peux te tuer aussi, hein. Ah, il me saoule! Ah, il fait que de parler! Très bien. Je m'appelle Sacha. Ok, Sacha. Tu vas tirer et moi je surveillerai tes arrières. Ouais, bon, je vais pas spécialement compter sur toi, Sacha, hein, si je puis me permettre. C'est triste de laisser mon oncle ici. Ouais, je comprends. Il avait des mines. Ah ouais. Il me raccompagnait chez moi quand les monstres sont arrivés. Ouais, mais ils c'est bien. Sur lui. Il avait des munitions, ton oncle. C'est bien. Et un gros Nosalis l'a mordu au cou. Mais mon oncle est vraiment fort. Et il l'a tué avec un couteau. T'as pas l'air aussi fort que mon oncle. Je vais devoir t'aider si on veut pas se faire dévorer tous les deux. Sacha, tu vas te calmer. Déjà, les gars, Sacha, il est sur mon dos, je crois, parce que ma maniabilité est horrible. Alors si j'ai bien compris, il est en train de s'accrocher à moi, ce connard. Ah ouais, regardez l'ombre, attendez. Regardez l'ombre. Bon, je crois qu'il est sur mon dos, ce con. Putain, il est sur mon dos, eh. Frérot, t'es lourd. Tu pèses 2 tonnes. C'est pas normal, ça, pour un gosse. Alors, attendez. Bonsoir. Bon, regarde pas trop les cadavres, Sacha. Là-bas. Ah oui, bien vu, Sacha. Sacha, j'arrive pas à viser avec toi. Qu'est-ce qu'on a là? Parfait ça. Parfait. Là il y a des trous. Fais attention. Bon, Sacha, tu ne m'aides pas. Au contraire. Alors, on va éviter de courir. Alors, comme tu peux le voir, Sacha, on ne peut pas passer. Ah. Ce qu'il veut lui. Ah, oh putain, faut pas gâcher des munitions comme ça. Hein. Alors là, en parlant de munitions, pour mon fusil à pompe, là il y a plein de mouches. Waouh. Ok. Ça va, monsieur? Je pense pas. Yes, bah je savais pas comment réagir. J'avais compris que j'étais pris au piège. Mais je ne savais pas comment réagir, c'est pas grave les gars, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Oh, il faut recommencer, c'est pas grave, ça va, c'est pas loin. Et en plus, on se fait pas trop attaquer. Allez, on y va, Sacha. On y va, Sacha. Je vais juste récupérer, voilà, les munitions que du coup j'ai foiré. Voilà. Non, par contre, c'est vraiment un sketch, quoi. C'est vraiment un sketch, quoi. Non, mais là, par contre, les gars, à un moment donné, va falloir qu'on se mette d'accord. Hein. C'est-à-dire, c'est soit je meurs comme ça, soit je meurs comme ça, mais vous pouvez pas me faire mourir. Putain, mais... Alors, je vous jure, les gars, c'est infâme. C'est infâme. Sacha, qui s'accroche à moi, m'empêche de faire des mouvements aisés. Là-bas. C'est bon? Je peux récupérer mes bijoux là? Je peux pas courir. Sachez-le. C'est répugnant. Bon. Ok. Personne veut m'attaquer? Si, là, voilà. Voilà. Rentre chez ta mère. Alors. Des munitions. Voilà. Alors. On sait qu'il y a un piège. Ah, là, le filet. Et comment je fais pour passer le filet, moi? Attendez. Pas de panique.
On va prendre ça. Non mais là je peux pas Ok, il faut que je tire dessus, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de tirer dessus les gars entre nous. Je fais ça comme ça. Oh mais c'est pas possible. Mais je ne pourrais jamais survivre dans un monde post-apocalyptique ou quoi. Sacha il m'aide pas quoi. Vraiment Sacha m'emmerde, hein, je vais pas vous mentir. Sacha me fait chier. Bon. Là-bas. Ouais là-bas. Ouais je usais des mines pour rien, voilà. Je me suis dit sait-on jamais. C'est toujours sympa de gâcher des balles parce qu'on en a jamais assez. Enfin, parce qu'on en a toujours trop je veux dire. Alors. Voilà. Bon. Va-t-on réussir à faire quelque chose? C'est un sketch. Actuellement. Toi t'es mort. T'es pas mort. Faut juste pas tomber dans les trous. Alors je regarde derrière moi, hein, vous l'aurez compris, le danger vient de derrière. Ça y est, ça arrive là, ça arrive sur moi. Non, ça arrive pas. Ça va venir là. Ça n'arrive pas. Ouais, mais ça va me prendre par derrière. C'est obligatoire. Bon, au point où on en est. Oh là 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 là, cette ambiance pesante. Bon. Manifestement. Faut que je saute par-dessus. Sacha, on va jamais y arriver. J'ai réussi, Sacha. Sacha, j'ai réussi. Oh 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 oh. J'ai pas le droit d'y toucher, mais y a des munitions dans ce casier. Quel casier? Ah, bien vu. Merci, Sacha. Pour une fois, tu m'as servi à quelque chose. Bon, j'entends des collègues crier. Ce qui est plutôt mauvais signe. Ah, celui-là. Ah, merci, Sacha. Lui, il est verrouillé. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose. Oh là. Ça va, monsieur? J'ai une arme, moi aussi. Elle est dans un endroit sûr et j'ai pas le droit d'y toucher avant que je sois assez grand pour tirer. Ouais, t'es pas assez grand. Tu pourras l'emprunter quand ton arme servira plus. Ah, ça c'est bien ça, merci Sacha. Merci pour ta donation. Ça me fait extrêmement plaisir. Ok. C'est très lumineux par ici. Comme ça on est bien visible. Quoi? Sacha, t'as crié avant même qu'il y ait le monstre. Tu me prendrais pas un peu pour un connard? Mais oui, mais... Regarde, Sacha, ils ont peur de moi. Ils ont peur de toi, d'ailleurs. Ils ont surtout peur de toi. Tu parles beaucoup trop. Ah! C'est bon? Allez. Attends. Parce que là, il y en a un, il me prépare un guet-apens, là. Mais quoi là-bas? Mais tu peux pas dire devant toi ou... Dire des trucs un peu cohérents? Allez, on avance. Alors je vais pas te mentir. On est dans la merde, Sacha, tu entends? On est dans la merde. J'ai pas intérêt à foirer mes balles hein, maintenant. J'ai plus de munitions dans l'autre. Putain. Par contre, je viens de comprendre un truc. Les cloches qu'on entend, c'est des gens qui les sonnent. Ça, on a découvert ça. Dans le dernier épisode. Et là, on les entend d'ailleurs. On va les rejoindre. Donc ça veut dire qu'il y a de la présence humaine pas loin. Hé, hey, attention, il y a un trou. Sans blague. Mec, Sacha, t'es trop fort. Mec. Les gens devraient pas lancer des grenades ici. Maman dit que le plafond est fragile. Et il pourrait s'effondrer. Oui, bah maman, elle a tout compris.
Maman, elle t'a pas dit que t'allais mourir avec moi? Putain. Ta mère. Oh, je vous jure, la maniabilité, elle est infâme. Non seulement c'est flippant. C'est pas un piège, ça, rassure-moi. Je me méfie, hein. Vas-y, recharge. Là. Non, je veux des munitions. Fils de pute. Pardon, excusez-moi, je suis très vulgaire, hein. Vous l'aurez compris. Je suis très vulgaire. Je m'en fous. J'ai peur, si je vais là-dedans, je meurs, hein. Qu'on soit bien d'accord, je ne vais pas y aller. Et s'il fallait y aller, bah tant pis, je ne veux pas. Il doit bien y avoir un autre accès, voilà, là il y a un piège. C'était quoi ? On dirait un câble. Ouais, c'est bien un câble, ouais. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça, hop ! Et voilà. Ah, encore un autre. Hop ! Quoi là-bas ? Putain, mais il est complètement con ce gars ou quoi ? Là, on peut pas aller. Sinon on meurt. Attention au piège, hein, Sacha, n'hésite pas à te sentir utile de temps en temps. Ah, il y a des munitions. Non, c'est dégueu. Des munitions. Voilà. Ça, je m'en fous. Voilà. Allez, on descend, Sacha. Cool. J'ai encore jamais été dans les tunnels. Maman ah, c'est pas. Un endroit dangereux où les enfants disparaissent. Ah oui, c'est pas fou Maman les tunnels. On dit que si les enfants s'enfoncent trop loin dans les tunnels, les mutants les attrapent et mangent leur cerveau. Ah mais frérot, et je vais t'enfoncer. Ces enfants deviennent des mutants et courent après les autres enfants. Ah oui. C'est vrai. Mais pas que les enfants, t'inquiète, hein. Regarde, ça c'est pas des enfants ça qui sont morts là. Tu vois, ça c'est ton père. Bon. Grosse ambiance en tout cas. Grosse ambiance, clairement, wow. Ça va. C'est quoi ce truc là-haut? Attends, une fois mon oncle m'a montré une photo. C'est... le ciel. Ah bah oui, il a pas connu le ciel. C'est bien ça. On dirait un plafond qui est peint. C'est clair, c'est pas ouf. Je vais être célèbre. J'ai vu le ciel. Alléluia. Alléluia. Bah oui, c'est vrai, il a pas connu le... Bah lui, cet enfant est né dans les métros et il ne connaît pas le monde extérieur. C'est génial. Et là, il y a de la neige. Forcément. Putain, la bombe nucléaire, c'est catastrophique. C'est catastrophique, hein. Oh les gars, à la fin du let's play, je vais passer un coup de gueule politique, vous allez rien comprendre. Parce que je vais être énervé à cause d'un jeu. On peut grimper jusqu'au ciel ? Mais oui. Je pense qu'on va se casser la gueule entre nous, mais on peut toujours y croire. J'ai pas envie d'aller si haut. Me lâche pas. Alors frérot, tu vas m'écouter, tu vas me suivre, t'as pas le choix. Madame, on arrive. Salut. Laisse-moi la retrouver. Merci, monsieur. Laisse-moi la rejoindre. Vous ne savez pas ce que ce petit garçon signifie pour nous. C'est vrai. Son père est très important. Si son fils était mort... Mais où est ton oncle? Il ne l'aurait pas supporté. Où es-tu arrivé ici? Et sans lui, mon oncle est mort, on serait tous perdus. Mais je suis un beau gosse. Avec lui, sur merci. Ses épaules. Je l'ai aidé à tuer les monstres. Suce-moi la bite. Pauvre Serioja. Merci d'avoir sauvé mon fils. Je pourrais jamais assez vous remercier. Mais prenez ces cartouches. Ah. Je refuse. Non, si je prends. Bah quand même. À défaut de se faire... C'est bien, je suis trop fier de moi. Je viens de faire une très bonne action, voilà. Parfait. Allons-y. On se casse ? Ah là là, mais quel plaisir les gars. Y a pas des cartouches encore à gratter si jamais tu sais. Moi je suis un peu demandeur, vous savez. Bon. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon, l'oncle il est mort, hein, madame. Hein. Désolé. Hein. On peut pas tout avoir non plus. Hein. Bon, bah, on va continuer. Hein. Je sais pas, ils ont fait une pause. Ah, on vient de trouver un camp safe. Ah, ouais. Je vais remonter à la surface. Mais soyez prudents, les nouveaux monstres y ont fait apparition. Les fachos. Ils ont installé un avant-poste dans le bâtiment en ruine qui est juste à l'extérieur. Sur la place, vous trouverez un carrefour souterrain qui vous conduira jusqu'à la station noire. Les garçons vont vous conduire à l'extérieur. Bonne chance à vous, Ranger. Merci beaucoup, monsieur.
Eh ben les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Franchement, on aura été, les gars, des beaux gosses. On aura été des beaux gosses dans cet épisode. On se retrouve très vite pour le prochain. N'oubliez pas le pouce bleu, c'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!